Bon, nous nous retrouvons donc sur Décision médiévale. Et donc nous allons commencer donc ce nouvel épisode, donc comme je l'ai dit à l'épisode précédent, par une séance de par une petite séance de farming de, je sais plus si ça dure 5 minutes. Et aussi pour améliorer notre arbalète. Donc moi je propose c'est qu'on fonce directement au camp des orques, des ouais. Puis si on se défonçait. Oh là 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 là! Non! Mauvaise idée! Très mauvaise idée! Ça commence par du fail! C'est cool, c'est cool, c'est cool! Bon! Pas grave, on reprend le même principe. J'arrive en place sur la ligne en fait là. Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu le temps de me barrer, j'ai pas le temps de me barrer, il me plaque au sol. Bon. Bon, changement de technique. Moi je me mets de côté, je défonce de côté, tout va bien. Ouh là 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 là, ça sent pas bon. Puis j'ai pas mon radar en plus. Ouh, c'est bon là ce que je suis en train de faire là. Bon, bah ça progresse, on est à 5000 là. On est à 5000 en or, tout va bien. Il reste 2 minutes et j'ai encore 50 créatures à tuer si je veux le bonus de pognon justement.
Non, 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 non. Je suis coincé. Ah, j'étais coincé. Ah, puis le pire, non, alors, par contre, gros défaut, c'est que là, vous voyez, je suis arrivé à 5000, et là, j'ai tout perdu. Ça, c'est un gros point noir de ce champ de bataille-là. Et c'est que vraiment, on peut pas se barrer avant les 5 minutes. Alors que l'autre champ de bataille, qu'on déverrouillera plus tard, on peut se barrer au bout de 2 minutes. Et après les 2 minutes, en fait, bah, c'est quand on veut qu'on se barre et les ennemis arrivent en boucle, en fait. Non, mais c'est pas possible. Allez. Ouais, ça fait 3 fois que je fail là, hein. On est à 6 minutes de vidéo et j'ai pas gagné un pécos. J'ai toujours pas activé mon radar. Oh, je suis bien ici en fait. Derrière ma barricade. Bon, bah, elle a pas tenu longtemps la barricade. En fait, faut pas hésiter à back au camp quoi, quand dès qu'on s'est un petit peu ennuyé. Faire défoncer. Bon. Ça progresse un peu, hein, quand même, hein. Ok, j'ai descendu 20 trolls. Depuis le début du jeu. Bon. M'aura pas, je t'ai vu. Bon, 7000, on va pouvoir terminer le secteur qu'il me faut. Oula, le troll qui charge. Vas-y, envoie moi un bidon, je dirais rien.
On est à 8000, 8700. C'est là-bas que c'est intéressant. Bon, j'ai tué les ennemis, mais pas avant la fin de la... Pas avant la fin du temps à partir, en fait. Bon. Ben voilà, champ de bataille terminé. On a 11 000 d'or. Voilà, bah ben, j'ai pas vu le... Je viens de voir la somme. Bon, ben, ça va. On a 11 100 d'or. Non, c'est une petite somme. C'est sympa. Eh ben, ouais. Eh ben, on a 20 000. On a 20 000. Donc, eh ben, on peut sécuriser les deux quartiers que ben on avait jusqu'à présent. Donc, on va commencer par celui-là. Comme ça, il sera fait. Ça fait drôle là de plus battre résultat, mais bon. C'est chiant que le radar s'active pas automatiquement. J'adore, je dis oups quand je tue un ennemi. Et... Parce que c'est pas, oui, parce que c'est pas les autres qui les butent, donc résultat, ça m'ennuie plus qu'autre chose. C'est bon, allez, hop. On a même un petit troll pour la route. Et voilà, un secteur de plus sécurisé. Et on en fait un deuxième de la foulée. C'est génial, c'est génial. Oups, non, c'est vrai, il faut pas que je l'ai. Allez, tirez, qu'est-ce que vous attendez? Bon, va falloir que je print un petit peu. Allez, hop. Où mes gars, ils sont là-bas. Allez mec, je vous ai ramené du monde là. Bon, il en reste 21 à tuer. J'ai plus de souffle. Les mecs, dépêchez-vous. Ah oui, c'est bon, ils ont atteint leur objectif. Il en reste un, il est où? Il est là-bas. Hop, ça c'est fait.
Et ben voilà. Allez, on va libérer la zone suivante. Ok. Voilà. Et ben on a deux zones supplémentaires. Et vous verrez qu'il y a, et vous voyez donc qu'il y en a une dernière. Donc au total, on a 4, 5, 6, 7, 7 zones à libérer, plus les deux champs de bataille. Le second champ de bataille étant ici, hein, évidemment. Et justement, j'ai envie de le libérer. Donc on va libérer cette zone. On n'est qu'à 20 minutes de vidéo, même pas. Donc, on continue. Par contre, je suis de nuit. Ça c'est plus ennuyeux qu'autre chose en réalité. Bon, déjà, ça annonce la couleur, c'est essentiellement composé d'orques. Hein. Le plus cher chez les orques, c'est surtout ces. Ces loups-garous, là, qui nous sautent dessus, ça c'est. Par contre, il va vraiment falloir que j'améliore mon arme. Ok, alors, je vois un truc ici, un entrepôt. Mille sept cents, tout de suite, voilà, hop, ça c'est fait. Oh là là, saloperie, hein. Je suis mort. Je vais mourir. Le troll, il en a rien à foutre de moi. Non, j'ai parlé trop vite. Bon, je vais régénérer en route, je vais y aller doucement. Alors, il y a quelque chose là-bas avec un seul ennemi. Devrait le faire. Mais il va falloir, vraiment falloir que je m'améliore moi-même. Ok. Mais tire! Tire dans le tas! Ok, tout va bien. Les mecs qui repopent.
Bon, ici je sens que ça va être une défense de zone, mais m'en douter. Y a pas un maître d'armes là-dedans? Et merde, bon, en plus, bon. Je surveille ma vie, hein. C'est pas évident, quoi. Dès qu'ils nous tirent dessus, c'est fini, quoi. Cool, le tonneau qui reste en l'air. Bon. 2500 pièces d'or. Vache, ça paye cette zone, hein. Et les mecs ont repopé ici. Un coffre. Ah, celui-là, je peux peut-être le crocheter. Non, crochetage 3. Ok, d'accord. Ça, c'est juste un petit peu d'or, hein. Vous avez vu, l'or, c'est pas réellement un problème. Une fois qu'on a débloqué les champs de bataille. Élimine les ennemis de la zone 3. Ouais, il y en a 3, mais il y en a un, c'est un troll. Je veux bien, mais... Les trolls or qui sont chauds, quand même. Sont pas évidents. Bon, allez, on va essayer de se le faire quand même. Ok. Eh ben, 9000 sur cette mission. Plus les 200 de bonus. Là, faut absolument, absolument qu'on réduise la menace. Y a pas. C'est sûr. Par contre, ouais. Qu'on améliore la menace, mais ouais. Mais l'atelier, donc. L'atelier, et là, il va vraiment falloir que j'améliore mon arme. C'est ce qu'il va falloir que j'améliore le plus. Voilà, 110 plus 12 de dégâts. Ça, c'est de l'arme. Faudrait aussi que j'améliore ma défense, mais bon, on verra ça. On verra ça plus tard. Ah ouais, cette zone-là. Oh ouais, elle est pas évidente, celle-là. Tout seul, celle-là, elle est pas évidente. Alors, il y a un petit peu de zombies au sud, mais ça, c'est pas. Voilà quoi, ça. Voilà, ça se fait rapidement. C'est après que ça score ça. Vraiment y aller progressivement. Parce qu'après on tombe dans le nid, quoi, et une fois qu'on est dans le nid, on est foutu.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Peut-être quelque chose à fouiller là-bas. Non, c'est un coffre. Ouais, bon, allez, hop. On trouve le quartier X. Ça... Ah oui, non, oui, bah si c'était ça le quartier extérieur. Oh, encore heureux. Parce que... Ouais, donc c'était le quartier extérieur que je viens de découvrir. Donc justement, c'est le champ de bataille. Donc, on a découvert un champ de bataille ici. Et le champ de bataille ici, franchement, il rapporte un max. Mais chaud, hein. On peut l'essayer rapidement si vous voulez. Ouais, on est à une demi-heure de vidéo. On peut se faire ça rapidement, mais... Mais on va d'abord sécuriser cette zone. On va d'abord sécuriser cette zone, comme ça au moins... Alors, la taverne... La taverne, je pense qu'elle est là. On va faire un tour quand même avant. Ah non, elle est à la tour. Bon, on va trouver la taverne, comme ça au moins on aura ça. Bon, ok, on a la tour ici. Ouh là 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 là. Là-bas, c'est encore à protéger tout ça. Non, il y a un ouvrier. Oh, t'es trop, toi. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un truc à... Ah oui, c'est les objets à la con de l'autre, là. Bon. Elle a découvert la taverne. Ok. J'ai vu qu'il y avait un point vert là de l'autre côté, mais... C'est un ouvrier, ouais, c'est un ouvrier. Bon, bah, il n'y a pas de maître d'armes ici. Ah bah j'ai 4 ouvriers, bah c'est bon, c'est tranquille.
Oh, c'est encore un objet à la con, ça. Ouais, bon, allez, hop. Et puis ça va, j'ai pas trop galéré à défendre. Bon. Vingt ennemis, on peut essayer de se les faire, hein. On a une autre sortie au nord, de toute façon, c'est notre route, donc. Donc, non, il n'y avait pas de. Ah, il n'y avait pas de maître d'armes ici. Oh, c'est con. Ça fait mal. Quand j'ai vu le tonneau, je me suis dit, ça, c'est le strike. Oh, puis il y a un troll parmi eux. Qu'un troll sur Terre, c'est moi. Sur Facebook. Bon, bah voilà. Sept mille 200, voilà. Donc la menace, elle est toujours en positif. Excusez-moi pour la toux. Toujours la même chose. Bon. Essayez quand même d'améliorer les portes, les trucs comme ça. En cas d'attaque. Vous voyez que les ressources, maintenant, c'est plus un problème, hein. Je veux dire, nos mines produisent. Ouais, voilà, ouais, c'est bien le bon quartier. Dire la tour là, si on veut la développer au maximum, on peut. Mais non, alors avant, allez, atelier. Alors cette armure là, je sais qu'après j'aurai nettement mieux, mais il me faut de la défense et tout de suite quoi. Donc attendez, il me faut d'abord avant ceci, comme ça, ceci c'est au max. Ah, je peux encore développer l'arbalète. Bah, je vais développer encore l'arbalète. J'ai dit que j'allais développer l'équipement, mais bon, ça fait rien, ça ne fait rien. Allez. Est-ce que je vous montre ce champ de bataille? Oh ouais, allez, je vous montre. Et puis, alors, quand on n'est pas forcément bien équipé, le mieux, c'est d'utiliser les, voilà, ces trucs-là. Puis là. Faut quand même bien surveiller ses arrières, surveiller que les gardes donc de notre camp ben, font leur travail. Parce que dès qu'ils sont à terre, après ils vont détruire notre camp quoi. C'est leur but là, c'est de détruire notre camp. Donc sur le champ de bataille précédent, c'était comment?
les zombies attaquaient les orques. Et nous, on était juste entre deux. Mais là, c'est les orques qui veulent nous détruire. Hein. Là, y a pas de pitié là. Voilà, bon, je suis à 1300. Et de toute façon, au bout de 2 minutes, je peux me barrer, hein, je... Bon, je suis en train de me faire démolir. Oh zut, trop tard. Voilà, bon, c'est le problème, c'est que voilà, dès que tous nos hommes sont morts à côté, c'est foutu. Donc il faut... Le mieux c'est d'y aller quand on est développé au max, quoi. Plus la quantité de trolls qu'il y a, enfin. Faut vraiment surveiller les gardes qu'on a autour de nous. S'il y en a plus, faut se barrer, quoi. Voilà, bon. Là, je me suis fait éjecter, autant que je me barre. Hein. Et on a d'autres... On a d'autres scorpions plus bas. Hein. Enfin, plus loin, donc. Oups. Donc on peut vraiment reprendre de plus loin. Sinon, si vous préférez, il y a une catapulte hein, en dessous, mais bon, c'est... Moi, je préfère ces trucs-là, parce que voilà, quoi. Je préfère ces trucs-là, ça attaque en ligne droite, et puis... Et puis, là où il y a l'impact, en fait, bah, c'est une attaque de zone, donc franchement, je trouve ça plus sympa. Bon, je suis à 2500. Mais bon, le mieux c'est quand on est équipé vraiment contre les trolls, quoi. Parce que on va directement au corps à corps et puis on défonce tout, quoi. C'est ça qui est génial. C'est à l'autre. Parce que le problème, c'est que vous avez vu, il y a une tour au milieu et elle nous bloque le champ de vision. Donc parfois, on est un petit peu obligé de changer
de scorpion. Bon, je suis à 86 tués. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Pour le moment, ça tient le choc. Allez. Oui, tout ça, c'est des trolls. Et ça nous arrive dans la tronche, oui. Ça va, on s'en sort pas trop mal. Bon. On va essayer de se battre un petit peu. Au corps à corps, mais. Franchement, on va plutôt essayer de sauver notre peau, je pense. On va partir avec les 5000 là. Ouais, on va sauver notre peau. Ouais, allez, il me reste encore un petit peu de. Attends, essayer un petit peu. Je suis à 7000. Ouais, ça sent pas bon tout ça. Il y a deux hommes là-bas qui se battent tout seuls, plein milieu du champ de bataille, tout va bien. Bon, on va essayer de se faire le banc là d'ennemis là. Pour le moment, on gère pas mal, on est à 7700 en 7 minutes, ouais. On est à 8000. Bon, je vais jusqu'à 10 minutes et puis je m'arrête là. Ou alors, faut vraiment que ça sorte le roussi. Bon, j'ai tué 3 fois 20 trolls, donc j'ai tué 60 trolls depuis le début de la partie. Ce qui est plutôt cool.
Bon, allez, on va les taquiner là-bas. Prochain 9000. Bon, vous voyez, c'est relativement rentable hein, ce champ de bataille là, mais bon. Je vous dis, on n'est pas encore assez développé pour aller se battre au corps à corps et puis. Et c'est là, n'empêche que graphiquement, vous voyez la qualité du truc quoi. Quand les trolls ils défoncent le sol, c'est vraiment sympa. Ok, là, ça sent vraiment le roussi. Ils sont à deux pas de moi donc. Merci, je m'en vais! Voilà, au bout de 2 minutes, il y a cette zone-là qui apparaît, hein, et puis on peut se barrer quand on veut. Avec notre somme d'argent. À savoir presque 10 000, hein. Donc là, on a de quoi. Ok, là, on a une attaque. On va juste atteler, c'est améliorer notre armure. Là, on n'a pas le choix. Il nous le faut. Quoi qu'on peut encore développer l'arbalète? Alors allez, il me faut de l'armure. Il me faut impérativement de l'armure. Allez, c'est parti à la foire. On fait ça rapidement et puis bon, on va se quitter là, hein. Oh là 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 là. Ouais, ça sent pas bon, hein. On a qu'un seul niveau au niveau de la tour et puis bon, je massacre deux, hein, c'est pour on va essayer que la porte tienne le plus longtemps possible. On en a 8 qui sont passés. Bon, on n'a pas réussi à tenir la porte, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Alors, est-ce qu'on améliore la tour ou est-ce qu'on améliore la taverne? Non, on va améliorer la taverne, hein. Ce sera mieux. Parce qu'après, pour défendre la tour, les trucs comme ça sera beaucoup plus simple. Bon, allez, on va s'éloigner un petit peu. Oula, attendez, attendez, ma souris devient incontrôlable. Je sais pas pourquoi. Enfin, ma souris. Je joue au tactile, hein, comme toujours. Bon, je vais essayer de relever mon gars là, parce qu'il est. Voilà. Alors. Ok, les mecs.
bon, je vais devoir. Voilà, bon, ils sont debout. Ils sont en quel état? Allez. Bon, toi, tu fais chier. Allez, plus que 6. Putain, ils sont encore morts, j'y crois pas. Ils sont vraiment plus balèzes, hein, les trolls. Hein. Ah, les trolls, les orques, je veux dire. Allez, plus que 3, les mecs. Plus qu'un, plus qu'un. Putain, ils sont tous les deux au sol. Eh mec, vous en avez plus qu'un à battre. C'est bon, allez. On nettoie la zone et on se casse. Il faut vraiment le mettre de la sagesse, hein, parce que sinon. Il en reste 4, ils sont où? Ils sont là. Voilà. Moi je propose, c'est juste, on essaye de mettre cette zone-là à l'équilibre. Enfin, l'équilibre. On essaye juste que le. Voilà quoi, que la. Que la menace diminue et n'augmente pas. Et on va aller dans l'autre quartier et essayer d'aller chercher le dernier maître. Parce que je pense pas qu'il soit dans le dernier quartier. Il est. Il est dans le quartier de droite, je pense. Du monde de la connerie. Ils sont où les mecs? Ils sont là. Bon, lui, peut-être que je vais les aider quand même. C'est bon, tranquille. Allez, pareil, on nettoie la zone. Et on dégage. Ah oui, on est à 55 minutes de vidéo déjà. Oui, ah oui, c'est vrai que j'ai dit qu'on arrêtait là. Bah écoutez, on a quel épisode résultat? Ouais bon. Alors, bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Je regarde juste. Ah, on est pile poil à l'équilibre. Il faut encore qu'on augmente d'un niveau quelque part. On augmentera la tour encore au niveau, enfin au prochain épisode. Et après, on va aller dans l'autre quartier pour essayer de trouver le dernier maître. Voilà, voilà. Et ben en attendant, je vous dis à bientôt pour l'épisode 7, hein, qu'on va attaquer là. Voilà. Bon, allez, à bientôt.